Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Heart of Iron 4 avec l'Union Soviétique, enfin l'URSS comme vous préférez. Donc nous attaquons cette fois-ci au 18ème épisode. Donc comme épisode précédent, vu que j'avais pas le micro d'activer au moment où j'ai filmé, je filme a posteriori. A savoir que là je n'avais plus faire aucune doctrine, doctrine comme j'ai pu montrer, je ne ferai jamais réconciliation avec le Japon étant donné que le Japon n'a plus rien techniquement, j'ai quasiment toute son argent. Toute la production japonaise est sous mon propre contrôle. Donc à partir de ce moment-là, ça m'intéresse pas d'aller les aider quoi. Donc là, on va reprendre en Starata la dernière fois, on va reprendre intégralement la France. C'est quasiment fini d'ailleurs la campagne de France, mais quelques poches par-ci par-là à récupérer, ça va être très important de les récupérer assez vite. On a récupéré Bordeaux à Rochelle en base stratégique. Il faudrait que j'arrive à récupérer cette île-là assez rapidement. Comme ça, je pourrais renvoyer cette armée-là n'importe où sur notre front. Faut que je termine la petite poche-là britannique. Et après, on pourra demander à mes troupes d'avancer sur le Caire sans craindre vraiment une menace sur mon arrière. Et il faut que j'arrive aussi à terminer tout. Bah, il faut que j'arrive à terminer simplement l'Indochine, quoi. Ce qui, mine de rien, n'est pas encore fini. Hein. Car une fois qu'on aura pris l'Indochine, faut imaginer qu'il faut que je fasse la guerre à Taïwan pour récupérer le pétrole. Et une fois que j'ai fait la guerre avec Taïwan, faut imaginer que je dois aller jusqu'à Singapour pour récupérer tout le caoutchouc qui me manque. Et une fois toutes ces étapes-là faites, je pourrais enfin dire que j'aurais terminé à combattre à cet endroit. Donc remise en goutte de souveraineté japonaise, armantichard niveau 2 terminé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais même plus ce que je vais faire. Même qu'en 44. En 44, qu'est-ce qui serait intéressant? Char moderne, on les a déjà depuis un moment. Canon tichard. Peut-être commencer au niveau de la flotte, quoi. Ça serait peut-être intéressant. Notamment prévoir la nouvelle flotte de guerre. Ouais, péniche de... Ouais, je vais faire ça. Sous-marin et péniche. 30 jours chacun, ça ira assez vite. En tout cas, les sous-marins, c'est toujours très pratique, quoi. Ça permet facilement d'harceler les flottes, etc. Et il faut que je commence un peu à nettoyer la Manche pour pouvoir préparer l'invasion navale de l'Angleterre. Bon, la Suède, la Scandinavie, enfin la Suède et la Norvège, donc les pays restants de la Scandinavie, vu que la Finlande est déjà capturée. Ben faut les finir quoi. Faut les finir, lancer le coup de grâce assez rapidement. Lance-roquette terminé. Bon, on va lancer là, le plan d'invasion. Voilà, 50 et 30 jours pour le plan d'invasion navale. Péniche débarquement avancé. Qui me sera assez vite utile et nécessaire pour la suite de mon invasion. J'ai quand même 1390 industries. C'est quand même impressionnant quand même. Enfin bon. Il y a du civil, il y a du militaire, il y a des lignes navales. C'est normal. Normalement, je devrais gagner. Mon organisation diminue aussi vite que la sienne. Donc, pire des cas, j'enverrai une deuxième flotte. Enfin, une deuxième escadrille les aider. Ça devrait être bon. À ce niveau-là, en tout cas, ils sont toujours en train d'essayer de se défendre. Bon, c'est autant dire que c'est presque terminé. Hein. L'armée de Pologne va maintenant couvrir l'intégralité de mes côtes du Nord. La raison est simple. J'ai envie d'éviter un débarquement.
les troupes adverses chez moi. Donc là j'ai tellement de sous-marins que les dégâts peuvent être facilement énormes. Mais bon, c'est... Je dois dire que j'apprécie de moins en moins les sous-marins en fait. Initialement j'étais parti en stratégie avec beaucoup de sous-marins. Mais je me rends compte que c'est une erreur stratégique. Bon, c'est tout le plus simple, vous avez qu'une recherche à faire, vous faites que les sous-marins, vous en faites en grand nombre, ça coûte rien, vous pouvez en fabriquer énormément. En fin de compte, je me rends compte que les sous-marins ne sont pas assez efficaces que ça, vous avez meilleur temps de faire une flotte standard. Qui sera bien plus efficace pour les conflits, et surtout bien plus efficient pour les guerres à venir. Les sous-marins sont pratiques uniquement pour harceler et pour affronter des petites flottes adverses. Il suffit qu'il y ait une grande flotte qui vous tombe dessus, ben vos sous-marins ben, ils vont se faire tailler en pièces. Parce que l'IA a toujours dans ses flottes des destroyers, des croiseurs légers. Donc les destroyers c'est une meilleure unité anti-sous-marine. Des croiseurs légers, des... Après bon, des croiseurs lourds, des cuirassés, des porte-avions, ça c'est autre chose. Mais ils ont toujours beaucoup de destroyers. Et destroyer globalement ne coûte pas très cher non plus. Donc faut s'en méfier quoi. En tout cas les bombardiers, on va peut-être les localiser quand même en bombardement de l'Angleterre. Ce qui est logique, parce que la France, j'ai démoli tout ce qu'elle va démolir. On va peut-être envoyer la dernière escadrille au nord. Ils perdent un sous-marin, ils ont perdu. Ouais, ils ont largement perdu. Voilà. Ce que je vous dis, quand il y a très très peu de destroyers, ça passe très bien. Quand ils commencent à avoir une flotte de 100 bâtiments, ça commence à être autre chose quoi. Leningrad va maintenant accueillir ma flotte principale de sous-marins. Donc, au niveau de la production, faudra que je... Là, j'ai vraiment besoin de base aérienne pour l'intégralité de mes escadrilles à mettre au nord de la... dans le nord de la France. Retrouver aussi toutes les retrouver pistes déjà démolies. Donc, la Bretagne. On dit oui. Et Champagne. Champagne, non, c'est pas important, mais tant pis, ça sera reconstruit. Lorraine, non. Je crois qu'on a tout. Ah non, la Hollande, faut que je répare. Alsace, non. Flandre. Je répare cette flamme. À moins qu'elle n'ait pas réparé en Flandre, c'est ce qui est possible aussi. Quoi. Ouais, voilà. Donc les pistes seront assez construites. Ça me permettra de mettre énormément d'aviation de chasseurs pour la campagne de britannique. Donc la mission de kamikaze est déjà disponible. Je n'ai jamais fait de mission de kamikaze avec mes avions, donc je ne connais pas leur efficacité globalement. Peut-être très efficace contre les navires, ou c'est peut-être pas efficace du tout. Moi ce qui me dérange c'est qu'en fait c'est... Peut-être pour quelqu'un qui a un stock d'avions phénoménal c'est intéressant. Mais je trouve que c'est une erreur quand vous avez... des avions spécialisés dans ça, ça sert à rien d'envoyer... Enfin, de perdre des chasseurs pour dégommer quelques avions, quoi. Ça, c'est normal. Voilà, on va les relocaliser, comme ça, ils auront plus de problèmes de saturation pour bombarder le nord de l'Angleterre. Alors, ma flotte a été relocalisée, celle-ci va aller se réparer. Il y a des bombardiers qui me bombardent au sud de la France pour changer. Mais bon, fallait s'en douter quoi. C'est habituel ça, de toute façon.
Des rescapés de troupes françaises, pourquoi pas. Donc là on voit qu'il y a deux bases navales encore, il y en a une à Bordeaux et il y en a une un peu au sud. J'aimerais bien si possible, après bon, ça va pas, ça serait de bloquer tout le monde derrière Bordeaux, étant donné qu'il n'y a pas de port, ça me permettrait de détruire toute cette division là. Et donc d'avoir un sacré avantage à l'avenir sur mon adversaire. Voilà, c'est cette petite base là qui aura servi à faire une tête de pont en Chine, les Français. Sa petite île, ça. Le Hagan, sa petite île finlandaise que j'ai récupérée, qui est à l'est de Stockholm, enfin qui est entre la... Voilà, c'est cette île là. Autant vous dire que pour moi ça n'a aucune importance stratégique, aucune valeur stratégique cette base. La rigueur, la seule qui serait intéressante, c'est que ça m'éviterait, enfin, la tenir me permettrait d'éviter d'avoir une petite île en plein milieu de chez moi qui pourrait servir de base avancée pour les débarquements amphibies à venir. Et bon, à part ça, bah, encore heureux que vous puissiez quand même transpercer des véhicules mécanisés, quoi. Sinon ça serait inquiétant, quoi. Voilà, je peux dire on va prendre l'escadrille de chasseurs. Par contre, ça risque d'être très compliqué, quoi, de prendre la domination des cieux d'Angleterre. Mais bon, c'est parce que ça risque d'être compliqué que ça ne sera pas intéressant quand même. Toutes ces divisions-là n'ont pas de ligne de front affectée, ce qui est étrange. Voilà. Bon, là, il serait peut-être temps de finir à poche du nord, sans vouloir être méchant. Comme ça me permettra d'éliminer encore un bon nombre de divisions norvégiennes et suédoises. Bon, alors, au niveau du canal de Suez, on est en train d'y arriver, petit à petit, mais on y arrive, hein, au final. La patience est en train de payer. Donc ces 2000 chasseurs vont renforcer encore le sud de l'Angleterre. Il faut dire que j'en ai tellement aussi d'avions. Et j'admets que j'utilise très peu les radars. Ça n'a jamais été assez efficace pour moi, quoi, en fait. Je trouve pas que l'impact des radars soit seulement impactant dans les batailles aériennes pour intéressant. C'est très impactant pour intercepter bombardiers, ça je vais pas gagner. Mais quand vous avez 1000 chasseurs contre 40 bombardiers, voilà, quoi. C'est un détail. Alors, bon, il devrait bientôt être bon à campagne là-haut. L'armée du Pays Balte est en train d'avancer. L'avantage en fait d'améliorer avec de l'anti-char aux troupes, c'est que les véhicules légers, type half-track, type véhicule mécanisé, type tank léger, sont facilement détruits avec votre infanterie standard, d'un même plus de 1 mètre de canon anti-char. Les canons anti-char sont vraiment pratiques pour éliminer les troupes les plus endurantes de l'adversaire, donc les tanks moyens et lourds, voire même super lourds s'ils en font, mais sinon il n'y a aucune utilité en fait. Donc là on va foutre des chasseurs, enfin des bombardiers navals pour éliminer la petite flotte qu'il y a
du Danemark encore ici, hein, c'est la faute de sous-marin. Ou destroyer, je n'ai aucune idée, c'est une faute de quoi, là, à vrai dire. Mais bon. Leur destruction sera assez importante, hein. En détruisant ces unités-là, on se débarrassera encore d'un petit problème chez nous. Alors, avion. Bah, ça sera peut-être intelligent que je développe les recherches jusqu'à l'IL 6. C'est un Yoshi ça, non? IC, c'est un Yoshi. Ou c'est uniquement les Yoshin, c'est uniquement les bombardiers navals. J'aurais peut-être dit une connerie hors dans une vidéo. IC, c'est peut-être pas un Yoshi. Si, je crois que si. Ah, je sais plus. Ouais, ça serait intéressant quand même, quoi. Avoir des bons bombardiers navals, ça... Mine de rien, c'est quand même important, quoi. Et je débarque comme avancé. Là, ah, on va continuer les roquettes, quoi. Ça améliore notre attaque légère de nos roquettes d'artillerie. On va pas dire non. Et bah, comme prévu, la poche que je vais créer, je l'ai créée. 107 divisions en réserve plus 6 divisions standard. 500 000 hommes, on a vu. Bah, ça sera 500 000 hommes au moins. Hein. Mais là, ces pertes-là vont vous coûter atrocement cher quand même au niveau des aux alliés quand même. Bah, on va annuler les mouvements, on va préparer en règle l'attaque. Durage britannique. Voilà. Rage britannique qui d'ailleurs est quasiment anéanti. Enfin. Anéanti. C'est exact. En fait, le rage britannique ça marche un peu comme le RSS. Globalement, c'est un. Enfin, le RSS c'est pire. C'est l'exemple typique de. Envahissez-moi, je vous attends. Vous aurez à prendre énormément de terre pour arriver de chez moi. Surtout si vous êtes. Surtout avec les Japonais si vous essayez d'envahir l'Union soviétique. Le Rage Britannique c'est un peu pareil, ils ont beaucoup d'espace, un terrain assez éparpillé, et pour prendre tous les territoires c'est long et long et long. Bon, mon stock de char moyen diminue assez vite, mais bon. C'est la vie, hein. Voilà. Ça fera un peu de garnison, ça protégera un peu l'industrie que j'ai récupérée. Pas perdu beaucoup de divisions quand même. Les Américains, si, ils en ont perdu pas mal. Je crois qu'ils en ont perdu une centaine dans cette histoire. Et souvent, ils étaient à 900 à un moment. Mais bon, enfin, au max, 900 max, quoi. Pas mine. Les Français, bon. Ils ont toujours quelques divisions, quoi, à cause notamment de leur colonie d'Afrique. Et bon, ça sera l'armée du Caucase qui devra s'en occuper. Je vais pas me permettre d'envoyer. Une de mes armées du front principal les soutenir, quoi. Et là, oui, regardez bien la connerie que je suis en train de faire. Oui, vous rêvez pas. Je viens de modifier une variante de char moyen et pas modifier une variante de char... de char moderne. Et je vais faire, et à savoir que c'est horaire, je vais faire aussi une deuxième fois, je me rends compte qu'une fois que j'aurai fait le MK3, je me rendrai compte, c'est quand je voudrais mettre des chars modernes en fait en variant 3, je me rendrai compte, ah mince, c'est des chars moyens. Aïe. Oui, je sais, j'ai... Bon, c'est du gaspillage d'expérience sur ce coup, bon, tant pis, hein, ça retarde les meilleurs chars modernes, mais bon, c'est le jeu, quoi, j'ai fait la boulette, hein. Là, dans les commentaires, je sens déjà les personnes qui vont dire « Faut regarder ce que tu fais, je suis au courant, j'ai pas fait attention, et voilà. » Ça m'a coûté 575 points, je crois, en tout, pour rien. Ou 675 points, je sais plus. Enfin bon. C'est que je. La faute de ce marin semble presque totalement prête, donc une fois qu'elle sera prête, on pourra relancer au combat, quoi.
Ça continue comme ça serait pas mal hein, mais bon. Donc là on va préparer l'invasion amphibie. Voilà. Qui normalement devrait bien se passer. Parce qu'on a eu les troupes britanniques, ça m'étonnerait qu'ils soient encore énormément nombreux sur le continent. Ils ont dû en envoyer énormément soutenir un peu tout rasaguer partout sur le front vu qu'on envahit un peu partout. C'est l'avantage de faire la guerre contre les Britanniques depuis un moment, c'est que ces troupes ne seront pas forcément en Angleterre, ils seront un peu éparpillés partout. C'est comme faire une guerre rapide avec eux, ils ont très peu de divisions en Grande-Bretagne, mais ils ont des divisions un peu partout dans ces colonies. Donc ça peut être intéressant d'attaquer assez tôt, ou au contraire de faire une bonne guerre d'usure. Comme là je suis en train de capturer, j'ai fait une grande guerre d'usure en France. Et une fois que j'ai terminé la campagne de France, ben là je peux vraiment envahir ailleurs. Ma majorité de divisions en réalité sont en Espagne, sa majorité de ces divisions. C'est toujours Alan qui veulent. Voilà. Imaginons s'il y a 122 torpilles qui ont été tirées en même temps, je pense que le bateau a un peu disparu, le croiseur léger. Donc là, bon, la première phase de l'invasion du Raj britannique est terminée. Moteur à réaction, ça veut dire que je peux lancer la technologie nucléaire, quoi. Je vais dire que je peux lancer la suite et la production de MiG 16, non, MiG 15, enfin de chasseurs à réaction. Mais d'un côté, c'est pas plus mal que je lance sur un nucléaire, parce que le nucléaire va prendre beaucoup de temps et je devrais globalement bien m'en sortir. L'invasion d'Afrique risque d'être un cauchemar tactique. Non pas parce que ça risque d'être long, non, bien au contraire. Enfin. Ça risque d'être long. Non pas parce que l'ennemi va être résistant, mais parce que c'est l'Afrique. Et l'Afrique, il y aura énormément d'usure, j'ai perdu énormément d'équipement. Et c'est pour ça que la campagne d'Afrique est toujours stratégiquement pénible. Et que vous risquez de perdre toujours, vous perdez toujours beaucoup d'équipement en faisant la campagne d'Afrique. Mais ça, c'est habituel, donc à force, au bout d'un moment, on est habitué, il faut être prêt à perdre d'équipement, quoi. Faut dire que le sable est un sacré ennemi du matériel. Mais bon. C'était nécessaire, quoi. Là, je regarde juste mes généraux, je fais un peu le tour de mes généraux. On voit qu'on a certains de nos généraux comme Zhukov ou Konev qui sont des génies, quoi. Allez, ça va finir en match nul, cette histoire. Je vais sûrement voir peut-être même que je vais perdre. Vague mécanisée, dernière technologie, offensive continue. Bon. Ce serait bien pour. En fait, la vague humaine, c'est vraiment bien pour l'infanterie. Il va avoir 5% de population recrutable, mais. Quand vous prenez le même arbre d'événement national que moi, donc. Héroïsme passif, je crois que c'est. Donc au final, vous débloquez la population recrutable et vous gavez largement les 5%. Vous n'avez pas besoin d'en avoir trop. Ça sert à rien d'avoir 10% de population recrutable si au final vous n'utilisez que 5%. Voilà. Donc, et surtout, l'avantage sur les blindés, c'est que au bout d'un moment, vous aurez quasiment que ça et c'est quand même pratique, quoi. Ah, la recherche de petits avions. À la recherche des petits avions. À la recherche des petits avions. Voilà. Là, je vais mettre en place plein de chasseurs pour la Manche. C'est peut-être que des Yak 3. Bon, ils seront remplacés par des Yak quand ils pourront être remplacés par des Yak. Voilà, ça suffira amplement. Ouais, ils sont en train de couler le reste de la flotte du Danemark, c'est pas plus mal.
Ils sont en train de se lancer des assauts sur ma division. Enfin, peut-être que je lance ma deuxième ligne d'offensive. Voilà. De Stockholm. Bah, cette division là. Ah ouais, mais cette division là, faut surprise qu'ils sont dans le port. Le truc le plus frustrant du jeu, c'est quand vous avez des troupes qui sont dans un port et qui peuvent se replier. Vous pourrez pas les exterminer à moins de faire un blocus du port avec une flotte, mais sinon compliqué. C'est que des croiseurs légers, normalement je devrais bien m'en sortir contre... mais bon, ils ont 30 bombardiers en soutien, ce qui pourrait vraiment poser un problème. Pas 300, pas 30, 300. Bon, la guerre continue. Dans des bons auspices, hein, on va pas se mentir. Bon, la flotte britannique est plutôt bien endommagée, ça on va pas le nier. La mienne aussi d'ailleurs. Ah voilà, la première partie de l'invasion du Royaume britannique avec l'armée du Moyen-Orient est finie. Maintenant on va aller bien plus loin. Jusqu'au Népal. On va pas prendre un épingle, mais vous voyez, à la limite, j'ai fait avec la limite d'une épingle en fait. La ligne de front. La guerre contre la Chine arrivera bientôt. La percée risque d'être longue à venir, risque de me coûter des hommes, mais elle arrivera. Wardog, tout va bien, qui a battu Butcher. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai peut-être mal prononcé le nom russe, donc je m'en excuse. Je suis pas trop bon en russe quand même. Mais j'essaye. Et mon bombardement, l'avantage, c'est que si mes bombardiers font bien leur boulot, non seulement je vais refoutre en l'air leur radar, mais je vais foutre aussi en l'air leur piste aérienne, qui me permettra d'avoir la suprématie aérienne sur le secteur, sans avoir de réponse de leur part. Mais bon. Il y a énormément de pistes, et ça risque pas forcément d'être facile de les démolir. Baltique, les troupes marines n'arrivent pas à percer quand même. Ouais, je peux des sous-marins dans retraite. C'est dommage, je perds autant de sous-marins, mais bon, j'ai pas le choix, quoi. C'est le problème, hein. Sous-marins adverses... Enfin, mais le problème de l'aviation qu'on a assez massif, c'est que les sous-marins, ils prennent cher, quoi. C'est quasiment plus que des sous-marins de classe 3, de toute façon. Là, ça m'avait pensé que j'ai toujours pas lancé la production de sous-marins de classe 4. Pour les 611. Voilà, il est temps de lancer la production de sous-marins de classe 3, de classe 4. Voilà, les troupes de Suède vont bientôt être finies. À ce rythme, ça continue, je vais carrément devoir envoyer une armée aider l'Espagne, parce que là, je vais de moins en moins réussir à gagner cette guerre. Enfin bon. Je savais que l'Espagne allait tenir à blanc et j'avais pas trop le choix, quoi. Il me fallait un second front. Enfin, il fallait trois fronts en réalité. Le front du sud, de France du Sud avec l'Italie, le front au nord de la France, donc Benelux. Et le front au sud, vraiment sud-sud. Avec les troupes... Euh,
Comment ça s'appelle ces troupes-là? Avec les troupes. Avec l'aide des troupes espagnoles, voilà. Mais une fois que j'aurai Singapour, ça sera tellement tranquille après, niveau économie. Ah mais je vous assure, Singapour, ça sera mine de rien. Bon, c'est là-dessus qu'on s'arrête pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été de m'accompagner. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte tout bien. Et à ciao tout le monde!